Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 7 septembre. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Il y a des changements cette semaine, il y a des évolutions planétaires, ça bouge, on le sait, c'est rarement statique, il y a que les très lentes, sinon les rapides, elles évoluent. Et là, il y a deux changements importants, on va en parler ensemble. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je vous fais un profil du ciel, et comme j'aime le faire, à savoir, je regarde le soleil, la vitalité, pour qui ça va être bon au niveau de l'énergie naturelle. Je regarde où est Mercure, la communication, où est Vénus, notre sensibilité émotionnelle, et puis où est Mars, le mode actif, hein. Le mode actif, pour l'instant, il est un peu toujours en bélier. Hein, on va en parler aussi. Et puis j'ai remarqué, il y a d'autres choses sur lesquelles j'aimerais bien qu'on échange. Bref, commençons. Qui va bénéficier du maximum d'énergie solaire? Qu'est-ce que c'est l'énergie solaire? C'est la force consciente, c'est cette volonté, cette capacité à, depuis des millions d'années, dès qu'il y a du soleil, dès qu'il y a de la lumière, on sort de la cahute, de la grotte, et puis on va à la chasse, après on est allé dans les champs, puis maintenant on va au bureau, puis maintenant on reste chez nous. C'est un truc qui tourne un peu en boucle, mais bon, en tout cas ça va évoluer, on sait. Bref, le soleil est dans ce signe de terre qu'est la Vierge, et en Vierge, il apporte énormément d'énergie et de vitalité à mes Vierges, dont c'est la période d'anniversaire. Coucou. Et puis également à mes taureaux et également à mes capricornes. Donc ceux qui sont gâtés au niveau de la force vitale, en quelque sorte, sont encore une fois mes signes de terre. Tant que le soleil sera en vierge, ça sera le cas, bien évidemment. Et puis en même temps, il apporte une énergie par un jeu de sextile acquis à mes cancers et puis à mes poissons. À mes poissons, ils se le prennent en opposition. Donc on risque d'être un peu dans l'excès. Mais en tout cas, ceux qui sont gagnants enfin sont mes scorpions. Donc, je résume, force de vitalité, énergie solaire pour mes trois signes de terre, taureau, vierge et capricorne, et ceux qui sont le plus armés, bien évidemment, les cancers par le jeu des beaux aspects, et mes scorpions. Vous, la semaine, globalement, elle est pas mal, mais ça s'arrête pas là. Je vais regarder également où est Mercure. Vous savez bien, j'aime bien regarder où est Mercure à la communication parce que Mercure vient de changer de signe là, depuis 2 jours. Mercure est rentré en balance et Mercure, la communication, l'intelligence, l'échange, en balance, il prend une couleur tout à fait délicieuse, tout à fait sympa dont je vais vous parler. Très globalement, en balance, il y gagne en douceur, en souplesse, en harmonie, en délicatesse du propos, en finesse d'expression, et puis ça augmente le côté esthétique, l'élégance. En général, dans un thème natal, hein, lorsque j'analyse des thèmes et que je vois Mercure en balance, je présuppose, et puis en général c'est à juste titre, que la personne en question a horreur de la vulgarité, a horreur de lever le ton, a horreur de tout ce qui dérape, de cette finesse de langage. En général, les Mercures en balance sont très attentives et très demandeuses de personnes qui s'expriment avec fluidité, avec douceur, avec chaleur et qui voient le côté positif des choses. Et en plus, cerise sur le gâteau, Mercure en balance a un côté arbitre. C'est-à-dire qu'il aime bien trouver l'équilibre, une sorte de rôle d'intermédiaire qui leur va bien et qui réussit bien. Donc voilà la couleur de fond. Maintenant, à qui Mercure veut-il du bien? Avec cette couleur initiale, à mes signes d'air. Ça change. Mes signes d'air sont favorisés au niveau de la com, de l'échange, de la fluidité relationnelle. Donc, mes Gémeaux, pour vous, c'est du bonheur. Mes Balances, bien évidemment, parce que ça se passe chez vous. Et enfin, ben, qui d'autre? Mes Verseaux, tous les trois, mes signes d'air, vous êtes favorisés au niveau de l'échange, de la com, des contacts, etc. On connaît les contraintes auxquelles on est confronté, mais malgré tout, on peut injecter comment dire, de l'énergie sur le plan relationnel en passant des coups de fil, en échangeant, etc. Parce que le climat est particulièrement propice à ce qu'on renouvelle les contacts. Est-ce que ça puisse ouvrir des fenêtres, en quelque sorte? Donc, Mercure, pour mes signes d'air est bon, et en même temps, lorsqu'il est en balance, il forme des aspects heureux avec mes Sagittaires et mes Lions. Voilà. Vous cinq, au niveau de la com, topissime. Ça s'arrête pas là. On va regarder Vénus. Hein, Vénus. L'amour, très très important, l'équilibre relationnel, affectif, etc. Le charme, quand Vénus est bien disposée, on a naturellement plus de charme, on est plus à l'aise, plus fluide. Vénus, pardon, vient de rentrer en Lion, elle est à 1 degré, elle démarre la semaine à 1 degré du Lion. Donc qui gagne? Qui gagne avec Vénus en Lion? Toute la question est là. Mes Lions, bien sûr, parce que ça se passe chez vous, bah, quand on est servi à domicile, c'est quand même le bonheur. Mes Béliers, hein, vous aussi, un peu d'affect, un peu de charme, hein, quand vous laissez dur, mes béliers, vous savez y faire. Mes sagittaires, bah, vous, c'est votre chaleur naturelle qui séduit tout naturellement, quoi. Quand vous êtes vous-même positif, optimiste, spontané, quand vous ne rouspétez pas, hein, quand il n'y a pas d'amplitude vocale, vous êtes des
perle, quoi. On vous adore parce que vous avez un truc que j'adore chez les Sagittaires, mais ça, c'est pas tout jeune, hein. Ce que j'aime, une qualité des Sagittaires que j'aime, c'est leur capacité à remonter le moral d'un régiment de dépressifs, hein. Ils ont ce talent-là à voir le bon côté des choses, qui est une valeur ajoutée, mais exceptionnelle. Voilà, c'est dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore dans le ciel? Ben, j'ai toujours, si Vénus est en Lion, on a vu qu'elle protège mes signes de feu, donc Lion, Bélier, Sagittaire, mais également par le jeu de ce qu'on appelle les sextiles, elle protège aussi mes balances, et elle en remet une petite couche à mes gémeaux. Tout ça est bon à prendre vraiment. Enfin, regardons Mars. Mars, c'est le principe actif, en quelque sorte, hein, c'est le cœur de l'énergie vraiment active, la force vitale qui fait qu'on retrousse les manches et qu'on y va. Mars, il est toujours en Bélier, donc ça, c'est pas une nouveauté, on sait qu'il va y être jusqu'en fin d'année. Il amorce, petite singularité quand même, faut en parler, il amorce ce qu'on appelle une marche rétrograde. C'est-à-dire qu'il est, nous on est de l'autre côté de la Terre et donc on a l'impression dans notre axe, dans notre champ visuel qu'il recule. En fait, il continue, la bonne blague, la planète elle ne s'arrête pas pour faire marche arrière, c'est évident. Mais en revanche, vu de la Terre, notre axe, elle donne l'impression qu'il repart en arrière, tout simplement parce qu'on va plus vite en passant de l'autre côté du Soleil. Donc ce ressenti dans le champ visuel, c'est une réalité d'angle. Et donc, Mars est toujours très très puissant en Bélier, donc protège bien évidemment mes signes de feu, hein, mes Béliers, mes Lions, mes Sagittaires, donne un petit coup de pouce depuis des semaines, là, ça vous stimule à ceux qui sont ce qu'on appelle en sextile, donc mes Verseaux et mes Gémeaux, gâtés en ce moment, et puis, sauf le carré Soleil, ça, attention aux fatigue mes Gémeaux, gaffe. Bref, Mars amorce une dynamique rétrograde et il va se calmer un petit peu dans ses excès pendant plusieurs jours, voire quelques semaines. Donc ça va faire une pause à tout le monde, ça va faire une pause de cette tonicité suractive. Et puis quand on regarde également, toutes les autres planètes sont encore en mouvement rétrograde, donc ça va redémarrer à partir de la semaine prochaine. Je vous ferai une vidéo puis on en parlera dans l'horoscope bien évidemment. Mais pour l'instant, toutes les planètes lentes sont en phase un peu de, pas de sommeil, ça serait exagéré, mais de ralentissement. Pas de temps mort non plus, mais en gestation. Voilà, c'est le mot que je cherchais, gestation. Voilà. Bon, c'était notre petit horoscope, comme on aime bien le faire chaque semaine, pour prendre les bonnes habitudes. Je vous ai préparé, mais c'est long, mais ça vient, ça vient. Les annuels 2021, ils sont dans la boîte. Faut que je les organise pour vous les mettre en ligne, un peu distillés comme ça au compte-goût. Je vais les faire dans l'ordre, hein. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau. Voilà, c'est comme ça, parce que ça me paraît plus logique pour m'organiser. Ça vient, hein. C'est vraiment, je les ai faites, quoi. Elles vont arriver. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah, c'est tout. Merci. Pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages, la vie est belle, pour vos commentaires, surtout quand ils sont gentils, moi ça me fait vachement plaisir. C'est un échange de bonnes énergies en fait, plus j'ai des commentaires gentils, plus ça me requinque, plus ça me nourrit, plus j'ai envie de partager avec vous. Voilà, c'est dit. Allez, on se dit à la semaine prochaine, à très vite, merci.